Ok, nous sommes partis pour le boss final de ce donjon. Bien évidemment, ouais, c'est le frère, mais en mode possédé, c'est sûr. Ouah, la tête. Tri! Tu crois que c'est lui? C'est le grand frère de Kosré. Il a l'air complètement différent. Il ne ressemble pas du tout à celui qu'on a vu sur le dessin. Zelda, ce n'est pas le frère de Kosré. Oh la vache! Pyroglase! Tiens, boulette de feu! Ok, d'accord. Ils sont vraiment trop pratiques les sorciers. Oh la vache, il est vénère. Allez, tire, 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 tire. Trop tard. Non, c'est bon. Ah, je suis stun. Aïe, aïe, aïe. Aïe! Non! Oh, il y avait un cœur! Dernière phase? What? Un coup il va être fire, un coup il va être. Oh non, laisse-moi. Franchement, c'est pas. Voilà, ça embête pas. Ok. Eh ben, franchement, il était très rapide et très simple. Tout simplement parce qu'on avait la méta. Sur d'autres boss, franchement, c'est beaucoup plus dur. Par contre, il fait des sales dégâts. Hein. Quand on se les prenait, ça faisait mal. Waouh! J'espère on prend deux niveaux. Ça tourne, ça tourne. Alors. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah ouais, c'est vraiment haut. Attention. Mes camarades ont partager les pouvoirs. Allez, s'il te plaît, niveau 10. Niveau 9. Oh! Un nouveau triangle et. Ah, dommage! Allez, 5. Oh, yes! Ah, bah oui, forcément. Ah mais la Triforce, peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas du tout, j'ai pas joué au précédent, genre au premier, genre Link Awakening. Enfin, c'est pas le premier du tout, hein. Mais
tout ce qui est autre en fait que Zelda Breath of the Wild, j'arrive même plus à parler, et Tears of the Kingdom. J'ai joué que à ces deux-là, donc forcément je connais pas vraiment ce que c'est vraiment la Triforce. Moi j'ai connu que les pouvoirs comme ça, la simple. En réalité, le vrai grand frère n'est pas encore rentré. Oh. Un cœur en plus, et c'est cool. Il doit y avoir des réceptacles, mais de partout. Vraiment partout. J'ai eu peur. Zelnatri, où est-ce que vous étiez? Vous avez disparu sans laisser de traces. Kostré se faisait du souci. Oh, il est trop gentil. On dirait que la montagne est toute propre maintenant. Quoi? Vous avez fait disparaître les taches noires tous les deux. Alors, c'est grâce à vous que les montagnes sont toutes propres. Où êtes-vous? Merci. Wouh. Mais... qu'est-ce qu'il y a, Kostré? Zelda et Tri sont plus sages que Kostré. Si Kostré était aussi sage que vous, grand frère, ne serait pas si fait. Oh non, non. Hein, comment ça? Grand frère n'était pas encore rentré de son aventure. C'est le dos d'un monstre. Oui, c'est ça. Ah, c'est cool. Kostré heureux. Oh, ça fait plaisir. Oh, plus il chante. Oh, c'est trop bien. C'est le personnage le plus mignon du jeu, là. De l'autre côté, on a la jungle et eux, c'est vraiment des méchants. Hein. Ils m'ont enfermé en prison, ça, je l'oublierai jamais. Ils utilisaient mon bâton de pouvoir pour... oh. Pour les bonbons. Oh la vache. Je pensais que j'avais fini la quête principale, mais non. C'est-à-dire, il y a une méchante Zelda un peu partout qui va faire n'importe quoi dans le royaume. Et donc, on va devoir Ah, d'accord, faut aller au niveau de la forêt ancestrale. Bah, en même temps, c'est la seule zone qu'on n'a pas vraiment visitée pour le moment. J'y suis allé au départ, au début du jeu, si vous avez vu les premiers gameplay. Et ouais, on avait rien à faire là-bas. On pouvait rien faire, il y avait des gros monstres. C'est donc... là-bas où j'ai eu mon plus gros monstre là que je joue tout le temps. Et que je pouvais pas jouer pendant un bon moment. Parce qu'il était trop fort. Bah,
Ah si. Ok. Et ben nous, du coup, on va déjà s'arrêter là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, c'est bon, bah, on se retrouve dans un prochain épisode.